répondons aux besoins des gens et nous allons gagner leur confiance. Bien sûr que ça ne va pas se faire en un jour, mais Dieu nous donnera la force de persévérer. Comportons-nous en vrais chrétiens, laissons transparaître le caractère de Christ à travers nos actes et nos paroles. Attendons et soyons préparés pour le moment où nos amis montreront de l'intérêt pour des questions spirituelles. Prions pour ce moment. Et alors, c'est le temps de les orienter vers le Christ et son retour à travers sa parole. Proposons-leur des études bibliques. Et si l'Esprit nous aide à les conduire vers le baptême, n'oublions pas que ce n'est pas la fin. Ils doivent devenir des disciples qui conduisent à leur tour d'autres âmes vers le Christ. Étudions attentivement ces principes et impliquons-nous totalement dans cette œuvre merveilleuse.